Word. Yes. Yeah. Bet the Bull City DK. And I'm going to tell you. Luby and Mari, El Presidente. Hot nigga. Girls, you know I'm gonna beat it. Okay, Luvian, go get him. And if you always say we have the tech, we got them know. I and I, the girl, them sugar them. Them like the way that we flex. Them like the way I and I create well at them. I like the way that you move. Negative, Kali, you fuck you, biggie. I like the way that you groove. Word, over them two things. Je remercie Tabor Saint-TV de s'être déplacé jusqu'au Luxembourg pour cette interview. Je suis très connu en Europe. Dans mon pays d'origine qui est le Sénégal, je suis aussi connu par des... on va dire... d'un côté. Les gens qui sont dans la mode. Dans la mode, dans la musique. Exactement. Mais même des gens lambda, qui sont très gentils et qui m'envoient beaucoup de messages. Mais aussi, j'ai entendu que j'ai beaucoup de presse négative. Ah bon? Oui. Tu t'envoies des messages, c'est négatif. Oui, beaucoup de messages gentils qui me disent que je suis courageux de m'être exposé, d'avoir montré que des homosexuels peuvent être normaux. Et je suis en couple depuis maintenant 9 ans. Je précise avec fidélité. Et c'est très important pour montrer que ce n'est pas que les hétéros, voilà. Et moi, j'étais avec une amie de classe avec qui je vais parler tout à l'heure, qui n'a pas jamais vu que j'étais homo. J'aurais pu cacher comme beaucoup de gens le font. Il y en a beaucoup au Sénégal qui sont homo et ils le cachent. Et donc voilà. Et pour revenir au Luxembourg, je suis très contente de vous accueillir ici. Ah, en tout cas, mon... Comment vous trouvez? Merci. Donc, mon année, courageux, waouh. Parce que l'interview, c'est ma soeur. Parce que moi, pour le moment, au Sénégal, je suis face à la caméra. À chaque fois que nous avons affaire homosexualité au Sénégal, nous avons des actes homosexuels gays, nous avons flouté cette caméra. C'est vrai. Nous avons des matins, nous avons des gens qui ont des questions. Non, c'est vrai. Je vis en Europe de 1. Si je le fais, je le fais pas pour me faire remarquer, parce que je suis mannequin, je suis coach officiel de Miss et Mister Luxembourg, j'ai mon parfum, je suis égérie de plusieurs marques, je n'ai pas besoin de tout ça pour me faire remarquer. Si je le fais, c'est pour montrer, comme je t'ai dit, qu'il y a qu'on peut être homo et être normaux, voilà, et que aussi il y a beaucoup de jeunes qui souffrent en Afrique, qui sont obligés de se cacher, qui sont obligés de se marier, d'avoir des enfants. Je trouve ça dégueulasse. Moi, j'ai envie de vomir quand j'entends des choses comme ça. Parce qu'ils sont homo au fond d'eux, mais ils ne peuvent pas, parce que la famille est là, parce que voilà. Mais Sénégal, il faut un fouignou tech, déjà tout le goût du game, il faut rire. Yonga taxaw ne man mom la mati ñool filmé ma wax fi ma jaar expliquer mbir mënu mu démé tay dafa nga tok jax bi d'accord alors légui yow da nga bëgg libre ci libre liberté et tout ça mais Sénégal est-ce que mu nga fa doxantu. Je suis allé au Sénégal et tout le monde me disait attention, fais très attention à toi, tu vas prends un garde du corps. J'avais un garde du corps, mais le garde du corps restait toujours à 5-10 mètres de moi. J'ai marché tout le monde. Babaka, non, tu viens de dans la rue. Dans la rue. J'ai été... j'avais les cheveux noirs, mais ça n'a rien à voir, ça. On me reconnaît, quelle que soit la coupe. Quelle que soit la coupe, on me reconnaît. Et ils étaient très gentils. C'est vrai. Mais moi, je me dis que c'est les ignorants, les gens ignorants qui n'ont aucune éducation. Est-ce que Djanga a le courage? Boubar. Dédé. Moi. Jusqu'à l'âge de 9 ans, je ne parlais pas français, Wolof. Et mon père m'a dit que ce n'était pas normal. Je suis allé dans la famille de mon père et c'est là que j'ai appris le Wolof et le Coran. D'accord.
Voilà. Mais quand tu as Wolof. Ah, Wolof, oui. Est-ce que vous toutes les religions sont condamnées à l'homosexualité? Est-ce que tu en es conscient? Je sais que vous avez happiness et tout, On sait, mais pourquoi tu aimes, si tu aimes quelqu'un, je suis mariée. Tu es mariée, tu habites avec ton mari. J'ai une bague, hein. Tu peux faire un zoom, c'est un diamant. Voilà, on ne fait pas certaines choses si on n'est pas amoureux. Mais les religions, est-ce que tu es conscient d'abord de ça? Je suis très conscient de ça, mais je trouve que c'est une grosse hypocrisie. Est-ce que tu es conscient que dans le livre saint, on l'a condamné? Est-ce que d'abord l'aule, ça on y voit, tu vois, niti. D'accord. Alors je suis toujours très franc. Et ça, Mathie, il faut que tu le saches. Alors, je crois en Dieu. Mais je ne me considère pas en tant que musulman. Je crois en Dieu. Quand je fais ma prière à ma façon, je fais appel à Dieu. Des problèmes. Par exemple, là, si je sens que je ne suis pas bien, c'est mon spirituel qui parle avec Dieu. Voilà. Mais pas une prière ou autre chose. Parce que je connais tellement de gens qui prient, qui boivent, qui font n'importe quoi. Pour moi, non. Je préfère croire en Dieu et être franc avec moi-même, d'abord, et être franc avec les gens que j'aime, et donner le meilleur de moi-même. Okay. On dit en anglais, give the best you can, you know. Donc, les gens aussi, est-ce que parce que amna sama ben xarit bo xamne xamata ngeen bu baax bam lay xam bobu xale nga won neena ma sax mom jamono yo jëm na la chercher jëm na provoquer entre digeen ak goor ay xale ngeen won waye dal dara jullu fa dara lenen waye nak babakan andi nga boowe ni nana quel gashi nak babakan xale digeen yi nek Senegal bu gëna ñew sey babakar nak alors on est avec homo, on est hétéro. Après, on peut apprendre à tricher. À l'école, on ne voyait jamais que j'étais gay, parce que je sais que j'étais non. Boumanekon France. Pas de demande de navette. Soumanié France, demande de free. Mais soumanié Sénégal, demande tout le temps Yahoo, suivre les règles, tout ça. Parce que je respecte toujours les gens, je respecte les religions, je respecte les cultures de tous les pays où je vais. Mais on est homo, ça il faut que tout le monde le sache. On est homo, on est lesbienne, après on peut transformer, mais sinon, ou on peut essayer de se donner une image, mais sinon, je peux vous le dire qu'on est comme ça. Et moi je n'ai pas voulu vivre une vie où je vais être obligé de me cacher, de faire des choses de gauche à droite. Je connais des gens qui le font et ça fait... C'est pas une vie, ça. Mais je comprends que tu nais avec ça. Oui. Mais est-ce que... Ça, c'est une question. Oui. Est-ce qu'un enfant qui a été abusé, qui a vécu, par exemple, l'inceste, est-ce qu'il est appelé plus tard à être gay, à être homo? Pas du tout. Il sera traumatisé à vie. S'il est gay, il continuera à être gay, mais il sera traumatisé quand même ces fléaux, j'appelle, qui sont abominables. Mais s'il n'est pas hétéro, s'il n'est pas gay, il ne deviendra jamais gay. Il se souviendra toujours de cette chose qu'on lui a fait. Et ça va marquer sa vie, ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été violé par un homme et qu'on est un homme, qu'on devient homo. Hein. C'est pas vrai, ça. Et à quel moment tu as senti que, en fait, tu n'étais pas attiré par les filles, que tu es vraiment... Toujours. Attiré. Mais comment tu as su? Je veux dire, comment tu as su? Parce que quand tu as 12 ans, 14 ans, comment tu sais ça? Non, moi, c'est venu à 11 ans. Et c'est là... Non, un peu plus tôt. Voilà.
Alors, alors, cette question me fait beaucoup rire parce que, en ce sens que j'ai toujours su que j'étais attiré par les hommes. Mais comment? On est comme ça. Et si je te pose la question, comment, pourquoi tu es né? Voilà, on ne se pose pas. Exactement. Dans mon environnement au Sénégal, tout ça, je me posais même pas la question. Écoute, écoute, tu as ta réponse. Voilà. Tu as ta réponse. Ok. Parce que tu t'es jamais posé la question. Mais tu te dis c'est pas normal parce que. Je ne me suis jamais dit que je ne suis pas normal. Non, je te dis, wakuman est normal. Ah, bouma, t'as dit là, bala maleta, tu. Non. Quand tu es jeune, tu vois ton père, ta mère te dit, c'est ça en fait la société, donc c'est un homme et une femme. Oui, c'est vrai. Et pourquoi moi, je suis attirée, et comment tu as dit que tu es attirée par les petits garçons, justement? Par les petits garçons, j'étais petit garçon à l'époque, voilà. Hein, on le signale. Donc, voilà. Non. Parce que, maintenant, avec toutes les affaires de pays, Non, là je parle dans le passé, donc Babacar quand il a 11 ans, 12 ans, voire 14 ans. Voilà. Alors, j'étais moi d'abord dans un privé catholique où il n'y avait que des garçons. Okay. Et là, après quand je suis j'avais déjà des sentiments pour des garçons. Okay. C'est bizarre. J'aimais déjà des garçons à qui on s'écrivait des mots et qui sont papas maintenant. Non. Je t'assure qu'ils sont papas et que j'ai vu récemment. Il y en a beaucoup qui sont en Europe. Mais je veux dire après de nous n'être hétéro. Pas hétéro, je dirais qu'ils se sont pliés aux règles de la société. Okay. Mm-hmm. Okay. Donc, et donc, s'ils ont l'opportunité, ils le referont. C'est-à-dire que yo ba nga nekké xalé nga nek ci école bi nek ak ay goor kessé juste avec des garçons, c'est là où tu as senti qu'il y avait quelque chose. Exactement. Et après quand je suis retourné dans une école dite normale avec garçons et filles, je n'ai jamais rien ressenti pour une fille, jamais, vraiment jamais rien. Que des amis, Non. Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent. C'est mes yeux naturels. Voilà. Ah bon? Oui. Naturel. D'accord. Comme c'est bien. Boulot naturel. C'est, et ça s'appelle enfant de commerce. C'est bien. Nous sommes Annie. Krabgalan là. C'est bon. C'est bon. Nous sommes Leki. Après nous sommes. Ok. Wow. Un bon plat sénégalais et je pense qu'on va se délecter. Alors, how are you? How are you? I miss you. You know what? I'm so tired, but I have to shoot that. You look great. You think so? I'm just trying. Non, attendez. Hol l'elfi, Martin Minane de civilisé tay. Civilisé ou dara. Hol me fi. Bon ma sa bop. Bon ma sa bop. Man, bon ma ma fait chelo. Comment fait tu y a guillé le. Hola. Yagna. Je le reconnais. Ça va bien? Ça va. Pardon. Et toi? En forme? Ça va. Tu as rajeuni? Oui. Botox. Wouh!
fetch man kya bala. Non, bigoïna, bigoïna. De ma kif. Ah, ah, fais-tu-ba. Ou faites un martin, martinois. Ça, c'est un plat que ma copine Jara, qui est la propriétaire du restaurant, a fait spécialement pour nous. On va voir ce que ça va donner, à mon avis. Ouh, la taille mannequin, ça va finir. Ça s'appelle comment? C'est beau. C'est bon, c'est très bon. C'est non bon. Mais comment ça s'appelle? C'est bon, c'est bon. Ah, ça s'appelle c'est bon. Ça s'appelle c'est bon. C'est bon. It's good. C'est bien. Je sais pas manger à la main. J'essaie. Je pense que man lool lay xol lu muy def ci ginnaw sama yoon nekku ci man gis na fi sénégalais bo xamné du wax ak man parce que même Martin mën na ma sédé parce que Babacar ah yow Babacar day ñew ce restaurant mais moi je viens pas chez toi parce que il est homosexuel non pourquoi yoy Babacar il y a des vrais gens qui m'aiment non Babacar amo c'est pas facile nga assi ba passé c'est pas facile ba des choses nga gis nañ ni ngi def lu gëna pire que Babacar jërëjëf. Il a assumé, on est d'accord, oui, il y a un je suis entouré de personnes qui m'aiment. Ouais. Et les gens ne le savent pas, mais beaucoup de gens m'aiment. Je suis d'abord déjà avec quelqu'un que j'aime depuis 9 ans. J'ai plein d'amis qui m'aiment. Mais quand le fait d'être exposé et de gérer le fait d'être connu, c'est pas facile. Parce qu'on ne peut pas sortir sans être tranquille. On ne peut pas sortir sans être arrangé. On ne peut pas sortir sans être une icône de mode. Et ces gens me prennent comme je suis. Et raison pour laquelle tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font, où que je sois, même si je suis fatigué. Et c'est la dernière fois quand elle a ouvert ce restaurant, j'étais vraiment très, très, très fatigué. Et je suis quand même venu parce que c'est une fille bien et c'est une fille gentille.